Je préfère vivre ici qu'au bord de la mer. Ici, pour manger, il y a différentes nourritures. On vient ici depuis environ 20 ans. Tous les jours, on mange de la nourriture différente. Il s'agit d'aller la prendre. Tandis que si on était à cette île, ce serait très difficile de manger la nourriture qu'on a ici. Bientôt, il y aura toutes sortes de poissons. Il n'y aura qu'à marcher un peu et on pourra tendre une ligne à pêche. On appelle ça puanepi, c'est-à-dire un trou creusé dans la glace au printemps par le soleil. Il y a plusieurs personnes d'où l'on vient qui savent faire des raquettes, des mocassins et des vêtements comme autrefois. Il n'y a que les enfants d'aujourd'hui qui ne savent pas comment faire, ceux qui vont à l'école. Plusieurs personnes ici, comme les femmes et les hommes âgés, savent faire ça. Il n'y a que les enfants d'aujourd'hui. Ils ne savent même pas le nom d'une raquette. Auparavant, une très jeune fille savait comment tresser une raquette. On connaissait toutes sortes de travaux, comme préparer la peau de caribou. Aujourd'hui, ils ne connaissent rien. Regrettes-tu que les enfants aient perdu cette façon de travailler? Bien sûr que je le regrette. Qu'arrivera-t-il quand je serai morte? Lui, c'est la même chose. Ses enfants, que deviendront-ils lorsqu'il sera mort? Même s'ils ne veulent pas l'apprendre, ils vont quand même avoir besoin de raquettes. Et les mocassins, on entend dire qu'ils veulent avoir des mocassins. Il est très regrettable que l'enfant, à l'école, ne s'occupe pas du tout de ces choses. Nous autres, on surveillait tout ce qui se passait, tout ce qui pouvait se passer, même la chasse d'un homme. C'est ce qu'on faisait. Nous autres, on a été élevés dans le bois. On faisait ça, nous, la pêche au filet sous la glace. C'était notre travail. La même chose pour la pêche à la ligne. Les jeunes de nos jours, dès qu'ils entrent dans la maison, ils ouvrent tout de suite la radio ou la télévision. Et moi, depuis que j'ai la télévision, je ne l'ouvre jamais. C'est seulement quand les autres l'ouvrent. Et on me dit souvent, tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne comprends rien. C'est vrai que je ne comprends pas, mais je ne veux même pas regarder l'image. Seulement par l'image, je comprends que c'est tout des mensonges. C'est impossible que ce soit vrai, toutes les images qu'on voit. Je suis née à la rivière Moisy, là où est le premier pont de la rivière Moisy. Explique-lui donc exactement le nom de l'endroit qu'on appelle le rapide de la mer. Le rapide là-bas où est le premier pont. Où on traverse la rivière en allant vers le bois, c'est là que je suis née. On a continué à monter dans le bois. C'est certain qu'il n'y avait pas de missionnaires dans ce temps-là, puisqu'ils ne m'ont pas descendu à la côte. On partait pour rester un an dans le bois. On descendait seulement au mois de juin. La nuit de ma naissance, mon père est parti. Il s'en allait chercher du saumon dans un endroit qu'on appelle le bassin à saumon. Il est revenu avec beaucoup de saumon, presque la moitié de son canot. C'était pour plusieurs familles. On venait chercher le saumon dans le canot et on l'apportait.
Me comprends-tu? Tous les gens, le long du portage, venaient chercher le saumon. Il n'y avait pas de pont en ce temps-là. On s'assoyait dehors. Mon grand-père plaçait des branches de sapin par terre pour qu'on étende le poisson dessus. On l'appelait le vieil anglais, c'était mon grand-père. Il avait plusieurs enfants, ma grand-mère m'a raconté. Certaines personnes, c'était seulement à ce moment-là qu'elles mangeaient beaucoup. Ensuite, elles continuaient le trajet pour monter. Elles avaient très peu mangé avant. C'est là que tout le monde mangeait bien. C'était seulement lui qui avait de la nourriture, mon père. C'était du saumon. On montait le saumon, les canots sur le lit de sapin, pour qu'il soit prêt. Et quand les gens arrivaient, on leur disait, « Prenez-en, prenez du saumon. Vous en donnerez à tous ceux qui viendront. » Alors, je suis née très près de la mer. En ce temps-là, c'était facile d'aller à la chasse, mais quand j'ai eu des enfants, c'était plus difficile. Maman était inquiète des enfants, c'est pourquoi elle les gardait au village. Lorsqu'ils furent grands, c'est eux qui gardaient le camp, ainsi je pouvais aller à la chasse. Je commence par faire mon bois, je transporte l'eau et après je pars. Je suis de retour seulement à la nuit venue. J'ai fait un long trajet dans la journée. Toutes sortes d'animaux. J'ai tué toutes sortes d'animaux. Le caribou, je l'ai tué aussi. Tu peux raconter aussi lorsque 100 caribous sont venus à notre camp. C'est vrai, le caribou, ils sont venus à notre camp, j'en ai tué 3. Vous ne le croiriez pas, même si on vous racontait tout ce qu'on a vécu. Ils n'ont sûrement pas fait ça, penserait le gouvernement. Par exemple, quand on partait de la rivière Moisy, quand mon père avait fini de charger mon canot, il me donnait un aviron et une perche de bois. Je partais avec mon canot et là, j'arrivais à l'endroit où l'on est, et même plus loin encore. Étais-tu toute seule dans le canot? Seulement, maman montait avec moi. Pierre ne savait pas ramer encore. On l'enveloppait pour ne pas qu'il ait froid. Il montait avec mon père. Mon père l'enveloppait dans le canot. On avait beaucoup de misère, n'est-ce pas, Delina? Mais on ne s'en apercevait pas. C'est vrai qu'on ne s'en apercevait pas. Moi, je ne me sentais jamais fatiguée. Aujourd'hui, les jeunes, je les entends souvent dire « je suis fatiguée ». Moi, je n'ai pas connu ça, la fatigue, quand j'étais jeune. Même la nuit, on marchait. Si on pense à la distance qu'on a parcourue, et je tirais des enfants dans le traîneau, on partait d'ici pour aller à North West River, plus de 400 km à l'est, on descendait avec les traîneaux.
On a eu de la misère, nous aussi. Mais on ne le savait pas, on ne s'apercevait pas qu'on avait de la misère. On ne pensait jamais, on a de la misère. On n'avait pas de grands-enfants pour nous aider. On les a tous tirés entre nous. Vous n'aviez pas de chien? Nous avons eu un chien. Quand on venait en canot, on ne pouvait pas amener plusieurs chiens. De cette île jusqu'ici, c'est une grande distance. On traversait de l'autre côté quand on allait à North-West River. On est allé souvent à North-West River. Quand je me suis mariée, l'année suivante, Germaine est née. Alors, j'ai accouché à l'hôpital de North-West River. C'est là qu'est née Germaine. On est ensuite revenu ici, mais elle a été baptisée à cette île, à 400 km au sud. On a eu beaucoup de misère, nous aussi. Avez-vous tout fait ça à pied? Oui. Tous mes enfants sont nés dans le bois. Je n'ai jamais été malade, je ne suis jamais allée à l'hôpital. C'est la seule fois que je suis allée à l'hôpital, à North-West River. Et une fois ici, deux jours, je n'y suis jamais retournée depuis. Non, je n'ai jamais été malade. D'autres vont voir le médecin, ça je ne l'ai jamais fait. Le médecin. J'ai déjà 67 ans. C'est pourquoi je me demande ce qui se passe avec les jeunes femmes comme Yvonne et Germaine. Et d'autres femmes aussi. Elles sont toujours malades. À mon avis, je pense qu'il n'y a plus de maladies depuis que les médecins s'occupent de nous. Thank you.
Ça, c'est pour la femme en visite. Pinamèche, veux-tu la partie de la nageoire du bas? Non, je veux la partie de la queue. Il faudra que tu manges tout au complet, Christine. Tu vas prendre la mâchoire, tu vas la lancer en l'air et tu vas lui demander si on va prendre encore du poisson. Essaie de la faire tomber ici. On va lui demander s'il mordra encore. Vas-tu mordre encore? Elle dit oui. C'est demain quand on ira au filet? Elle répond non. C'est pour après-demain? Elle dit qu'elle ne le sait pas. Et mon mari s'ennuie-t-il? Elle te répond que ton mari est couché sur le côté. Elle te répond que ton mari pense beaucoup. Pose-lui une autre question. Va-t-il m'embrasser quand j'arriverai? Ça ne marche pas. Non, elle dit non. Ce sera très bon à manger ce que j'ai ici. L'automne précédent, dans une île du lac Petsitsikupau. Puis ici, là, j'ai ramassé les œufs. Je vais essayer de faire une crêpe avec ça. À soir, ben, juste pour y goûter, c'est pas pour, pour donner un goût. Ce que c'est qu'on mangeait avant ça dans le bois. Regarde ici, là. Si tu as de la visite, là, tu vas couper ton poisson comme ça, là. Tu vas le couper là, puis tu vas le couper là. Puis quand tu seras rendu là, là, vis-à-vis, là, tu vas le couper comme ça aussi. Puis là, le bout, tu vas le couper aussi. Et ça ici, là, ça, cette patente-là, là, cette affaire-là, là, puis ça, là, tu gardes ça pour une femme. Toi, tu ne le manges pas, tu manges le reste. Il y a du poisson dans ça aussi. Puis, tu manges le reste, mais tu gardes ça dans ton assiette, puis tu l'offres à la femme. Comprends-tu, là? Puis ça, quand on le fait bouillir, là, on met pas ça de même. On prend, là, puis on la remet dans ça. Puis là, ça se touche pas dans le fond du chaudron. Il n'y a rien qui touche. Puis si pour ta visite, tu te dis, c'est ce morceau-là que tu dis qui est le meilleur. Puis ce morceau-là, là. Puis quand tu vas faire bouillir ton poisson, là, tu vas mettre ta tête à première, puis ça, tu vas tout des morceaux. Puis ce bout de queue-là, là, tu vas le couper à peu près là. Comprends-tu, là, où ce qu'il c'est, là? Là, tu vas le mettre sur le dessus, celui-là. C'est celui-là que tu vas savoir que ton poisson est cuit. Quand celui-là va être un petit peu saignant. Là, le poisson va être meilleur pour manger. Mm-hmm. Puis autre chose aussi, je voulais dire, on ne prend jamais un tauradi comme ça. Tu sais, il y a des fois qu'ils prennent quelqu'un qui va prendre du poisson, il va le prendre là. Ils disent que... C'est peut-être juste une histoire que nos parents nous contaient. Que le poisson, il n'allait pas dans les hameçons qu'on pêchait, là, tu sais. Mm-hmm. Puis dans les filets aussi. Mm-hmm. Il dit, vous l'aveuglez. Mm-hmm. C'est ça qu'il nous disait. On ne prend jamais le poisson de même, il faut le prendre toujours comme ça. Et la femme de la maison, la cuisinière, qu'est-ce qu'elle mange? Elle mange le bout de la queue seulement. Si elle a dresse pour manger dans les morceaux ici, là, elle va le manger. Mais si elle n'a pas dresse, elle va prendre toujours la queue. Puis ici aussi, c'est bon aussi. Quand elle peut avoir dresse, elle va prendre ce morceau-là pour qu'elle prenne la queue.
suis correct, là? Oui, très bien. Le visiteur, il aime pas ça, la tête. C'est ça qui arrive. Mais c'est rare, un visiteur, dans les Indiens. Peut-être dans les Canadiens, il en mangera pas. Mais dans les Indiens, tout... C'est le meilleur morceau pour un Indien. Et toi, que vas-tu manger? La nageoire du bas. C'est le trou du cul, c'est par là qu'il chie le poisson. C'est ce qu'on appelle la nageoire d'en bas. Bon, je mange moi aussi. Ça, c'est la queue, ce que tient Pinamèche. Tu vois, il nage comme ça. Comme ça. Il y en a sûrement qui vont admirer notre nourriture quand ils la verront à la télévision. Quand on est allé voir nous filer ce matin, écoute-moi donc quand je te raconte une histoire. Je n'avais pas beaucoup d'appât, je n'en avais que quatre sur mon filet. Mais j'ai pris quand même trois gros touladis et deux autres plus petits et sept poissons blancs, un brochet, j'en ai pris plus de 10 en tout. Après avoir enlevé le filet, j'ai laissé ma corde sous la glace. Ensuite, il fallait que je le tende à nouveau. Ça, c'est un travail difficile pour un homme seul. C'est toi qui tirais la corde et qui poussais ton filet sous la glace en même temps. Oui, et j'ai dû rallonger ma corde pour qu'elle vienne jusqu'à moi. Après le filet, je suis revenue au campement et je suis allée voir mes lignes à pêche, j'en avais plusieurs. Ils sont venus détacher le nœud, mais ils n'ont pas mordu. Le poisson blanc que tu as pris, c'est pour faire des appâts, ça? Certainement, je peux faire des appâts. J'ai eu des problèmes. De la glace se formait sur mes mains en travaillant. Je ne pouvais pas arrêter, il fallait que je continue. Le filet gelait à mesure que je le sortais. Par chance, j'en avais apporté un autre. Je n'étais pas sûre que je pourrais le tendre de nouveau. Je pensais que la neige recouvrirait les trous à mesure et que je devrais pelleter continuellement. Mais le vent s'est modéré. J'aurais eu encore plus de problèmes si je n'avais pas attaché ma corde au bout des poteaux. L'eau a monté sur la glace pendant la tempête. À cause du vent, la neige s'est durcie sur le lac. Y avait-il épais d'eau? Il y en avait assez. Elle montait continuellement sur la glace. Ça a fait un étang. Mais ça valait la peine. Ça valait bien la peine. Tendre le filet, c'est la plus importante des choses. Est-ce l'aliment le plus nourrissant, le poisson? C'est le plus nourrissant. Plus que la viande? Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Autrefois, le bouillon du poisson, c'est la première chose qu'on aurait bu. Aujourd'hui, on ne s'occupe plus de ça parce qu'il y a du sucre, du lait et autre chose à boire. Mais autrefois, la première chose à faire, c'était boire le bouillon avant de manger. Et certains Indiens continuaient à boire en mangeant comme on boit du thé. On ne buvait pas de thé. Ça, c'était de la nourriture très respectée autrefois. Les Indiens de Northwest River respectaient beaucoup le poisson. Les autres aliments, on pouvait les sortir dehors, mais ça, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas le saler, ni mettre du poivre non plus. Il fallait le manger nature, comme ça. Même le bouillon, il ne fallait pas le saler, et s'il te restait de la nourriture, tu ne pouvais pas la porter chez toi, il fallait que tu viennes la manger ici. Tout autre aliment, on pouvait le sortir et l'apporter ailleurs. Mais le poisson, on ne pouvait pas l'apporter. C'était ce qu'il y avait de plus sacré. La raison, c'est parce qu'il vit à l'intérieur, même en hiver. Un lac, c'est plein d'eau, et le poisson, c'est sa maison.
C'est pourquoi on ne peut pas le sortir, parce qu'il vit toujours à l'intérieur. Si j'aurais pas fait ça, là, la chose, il aurait été trop dur pour les caler. Puis si le poil aurait été plus chaud, là, ça aurait décalé dessus. C'est ainsi qu'on utilisait le poisson, on le préparait de différentes façons. On faisait aussi du poisson séché, cuit dans la braise, celui avec des incisions dans la chair. Est-ce une autre façon, celui en filet qu'on met à sécher au feu? C'est une autre façon, on appelle ça le filet séché. C'est comme la morue séchée. On le coupe en biais, comme ça, ensuite on le fait sécher. On les fait cuire dans le feu, puis on enlève la peau et on les met dans un sac. Tu sais, c'est la même chose que pour conserver la poudre de viande, c'est pourquoi on fait des incisions en biais. Après, ça peut se conserver très longtemps. Ça fait de bonnes provisions pour les chasseurs qui doivent partir et manger en dehors. Quand on fait un feu dehors, on ne jette pas la peau non plus. On la met à part, c'est ce qu'il y a de plus gras. Regarde bien, je vais enlever le gras. Le noir aussi, ça reste avec la peau quand on l'enlève. C'est gras, ça. Quand on fait un feu dehors, on la suspend à côté pour la faire chauffer. La graisse fond et la peau devient croustillante. Avec ce poisson-là, là, on le fait bouillir. Après qu'il est bouilli, là, tu désosses tout. Tu ôtes la peau qui est là. La chair de ce poisson-là, il est blanc. Mm-hmm. Puis tu prends le bouillon de ça que tu as fait bouillir, là, tu le mets de côté. Puis tu prends un peu de farine, tu fais de la bannique avec ça. Quand dans le bois, quoi qu'on n'a pas beaucoup de farine, pour ménager la farine, c'est ça qu'on fait. Puis on peut faire aussi, tu peux le faire bouillir encore pareil. C'est l'eau, tu te désosses pareil. Tu prends les graines rouges qu'il y a là, tu fais une espèce de confiture, puis tu envoies ça dans le poisson. Ça se mange avec le poisson.
Tantôt, mais j'ai fini mes autres poissons, là. Je vais faire une parchée. Je vais les accrocher tout de même. Puis là, ça va durcir la chair, on peut le conserver. Pour manger. Je veux vous raconter une histoire. Écoutez l'explication que je veux donner. À mesure qu'on mange le poisson, on les ajoute et ça se rendra jusqu'au bout de la corde, tu sais. On fait ça pour les suspendre à un arbre au bord d'un lac. On les suspend à un arbre et on les attache comme ça. Comme ça. Si un Indien qui ne connaît pas la région passe et qui manque de nourriture, c'est un signal que tu lui donnes pour lui dire qu'il y a du poisson dans le lac. Il regardera ça, il ira voir où sont tes lignes et ton filet, et il prendra du poisson. Tu pourras sauver la vie d'un autre Indien parce qu'il se dira, il a pris beaucoup de poissons ici, je vais camper ici. Parfois, au mois de mars, les trous ne sont pas encore rebouchés. L'autre Indien peut reprendre les mêmes trous pour envoyer sa ligne. Il peut prendre du poisson au même endroit. Est-ce une sorcellerie? Il n'y a aucune sorcellerie là-dedans. C'est un signe pour avertir d'autres Indiens. C'est pourquoi on les suspend comme ça. Je pensais quand on fait des cadeaux de Noël, là, on met du ruban toujours. Te souviens-tu qu'on soit allé entre nous à Kovtogas Metchukashishkwagan? On est revenu sur nos pas et on est arrivé au lac Kamishakamat. Déjà, on manquait de nourriture. Quand on est arrivé au lac, j'ai vu des loutres et alors je vous ai laissé. Tu étais avec Germaine. J'ai poursuivi les loutres. Et je les ai tués toutes les trois. Alors, je savais déjà que moi, j'avais de la nourriture et Germaine aussi. Germaine mangeait de la loutre, moi aussi, mais pas d'Elina. On a continué entre nous et il fallait que j'arrive à Kamishakamat parce que là, il y en a du poisson. Ce soir-là, il y avait deux plats au menu, le poisson et la loutre. La raison pour laquelle on était allé à ce lac-là, tu sais, c'est qu'on avait perdu les autres Indiens. On ne savait pas où ils avaient passé Noël. On a eu de la misère cette fois-là, quand on est revenu sur nos pas. Ont-ils trouvé des cadeaux, tes enfants, dans les têtes de loutres? Certainement. Napesh a trouvé un cadeau dans une tête de loutre. Parfois, on trouvait des moules pour balles de plomb dans les têtes de loutre. C'est ce que mes parents mettaient parfois dans des têtes de loutre pour faire une surprise. Quand j'étais jeune, j'y croyais bien dur. Je pensais qu'on en trouvait pour le vrai dans des têtes de loutre. J'aurais bien pu m'en rendre compte parce que les loutres ne vont pas en ville. Parfois, j'ai trouvé des pièces de 50 sous dans des têtes de loutres. C'est ce que j'ai trouvé. J'aurais bien dû y penser. Les loutres ne peuvent pas aller en ville pour chercher des 50 sous. J'y croyais dur. 50 sous à cette époque, c'était une grosse somme. Je pouvais m'acheter bien des choses au retour. C'est moi qui finis de manger en dernier. Demain, j'aurai envie de me lever tôt
Parce qu'on est trois, j'ai deux femmes avec moi. Laquelle de nous deux va coucher le plus près de toi? Je vais bien y penser, parce qu'il y a deux jours que je ne suis pas ici, vous allez vous coller toutes les deux. Tu n'as pas peur, André, que je te pousse au mur? Il va me prendre quand même. Ah, toi, tu vas attendre à demain soir. C'est un mli, c'est-à-dire une lotte. La lotte, il y en a de très grosses. C'est un très bon poisson. C'est bon comme de la morue. Très attention que le poisson rouge ne gèle. C'est avec lui qu'on fait les appâts. Il faut qu'il y ait du sang quand on le coupe. C'est le sang qui fait mordre la truite grise à l'appât. Apporte le paquet dans le traîneau.